Sous la conduite de Théophile Adoua, les membres du groupe majoritaire au Sénat ont partagé des moments de dialogue constructif avec le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction en trouvant en ses parlementaires son premier cercle de soutien tout en assumant les responsabilités de chef de la majorité parlementaire. Comme avec les députés, il s'est agi pour les sénateurs de venir écouter le Premier ministre sur les avancées et faire des propositions sur la marche commune vers le succès. Le Premier ministre a mis à profit cette concertation pour annoncer sa disponibilité à travailler avec les groupes parlementaires de la majorité avant chaque session pour être plus efficace. À l'approche du vote sur le budget exercice 2024, la rencontre a été l'occasion aussi d'échanger sur l'importance de sa présentation et du soutien attendu de ses partenaires de premier plan. Les relations sont au beau fixe. Il n'y a pas eu besoin de protocole pour que nous arrivions ici. Nous sommes dans un mandat qui commence et nous avions l'obligation de venir vers le Premier ministre pour cet échange-là qui est en quelque sorte comme une prise de contact. En fait, nous avons échangé sur les affaires qui sont au Parlement, notamment la question du budget de l'État. Vous savez que le budget, c'est la principale loi que le gouvernement soumet au Parlement. L'occasion a été saisie pour un échange sur certaines observations que nous avons eu à faire par rapport à l'examen du budget. Un gouvernement est plus fort quand il sait compter sur sa majorité. À l'issue de la rencontre, les parlementaires ont rassuré le gouvernement de leur adhésion et se disent prêts à remporter les victoires ensemble.